m'appelle Ludovic de Burm, je suis auteur dessinateur de bande dessinée, je fais aussi de la peinture et de la musique et j'ai commencé en tant qu'illustrateur, publié mes premières bandes dessinées chez Cornelius, suite Futuropolis et maintenant Casterman. Mais je continue à publier chez Cornelius. J'avais imaginé cette histoire au départ, l'histoire d'Epiphania, en tant qu'auteur. J'avais créé un scénario, je destinais à un dessinateur hypothétique. Et en fait, je ne suis pas allé jusqu'à la recherche du dessinateur parce qu'ayant terminé le scénario, qui se voulait plus grand public, il y avait quand même l'idée aussi de faire quelque chose, quitte à écrire un scénario, pour faire un peu plus d'argent que mes scénarios habituels, si étranges et incompris du public. Mais l'idée, c'était de faire quelque chose dans le registre du genre, enfin, d'une bande dessinée fantastique. Et en fait, quand j'ai terminé le scénario, il y avait à la fois toutes les thématiques que j'avais commencé à développer, plus des thématiques plus politiques que j'avais envie de développer et qui devenaient de plus en plus prégnantes. Et donc, du coup, il s'est collé à moi, ce scénario, et je n'ai pas pu le donner à quelqu'un, j'ai eu envie de le dessiner moi-même. Et j'ai attendu de terminer mes projets chez Cornelius pour, enfin, donc ça m'a pris quelques années de maturation, ce qui n'était pas plus mal pour le projet. L'idée, la première vision que j'ai eue quand j'ai écrit ce scénario, c'était des enfants qui sortent de terre, qui apparaissent après un tsunami, des sortes de demi-têtes comme ça qui apparaissent dans les jardins, dans les parcs publics. Et il se trouve qu'il y a une de ces têtes qui apparaît, un de ces enfants qui apparaît dans le jardin d'un particulier, quelqu'un qui est justement en train de se poser des questions sur est-ce que je veux un enfant ou est-ce que je veux pas d'enfant, qui serait plutôt pour ne pas avoir d'enfant. Et il se trouve que quand il sort cette tête de terre, découvre un enfant mi-homme, mi-animal, ce qui est le cas de tous ces personnages, enfin tous ces êtres qui arrivent après ce tsunami, qu'on appelle des mixed bodies, les autorités les appellent mixed bodies, et eux-mêmes vont s'appeler eux-mêmes Epiphanian, enfin comme une espèce, voilà, qui est le nom qui reprend le titre du livre. Ça part comme une fable écologique, en tout cas il y a vraiment cette idée, c'est le point d'accroche, l'idée que ces enfants mi-hommes, mi-animaux seraient davantage proches de la nature, par essence, par ce qu'ils sont eux-mêmes, et viendraient à l'adolescence remplacer, se substituer à l'espèce humaine qui est en train visiblement de défoncer sa propre planète. Mais derrière ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était davantage l'écologie prise dans un faisceau plus géopolitique et économique. Et c'est ça qui se développe au fur et à mesure des tomes, enfin sur les trois tomes. C'est-à-dire que le départ est l'écologie, parce que c'est quelque chose, c'est un des endroits vraiment sensibles par lequel on peut appréhender cette crise liée au néolibéralisme. Mais voilà, ça s'arrête pas là. Je pense que, comme tout dessinateur de bande dessinée, alors j'ai toujours, mon père était artiste peintre, j'ai toujours à la fois été nourri par la peinture classique pour commencer, parce que c'est ce que mon père m'a donné à voir, et puis après j'ai découvert des choses plus contemporaines, mais il y a à la fois ça, la bande dessinée bien sûr, mais finalement c'est plus des influences de jeunesse, et je crois que plus globalement, ce sont des choses très différentes comme la musique, qui peut réellement, la liberté qu'on peut trouver dans l'improvisation ou dans l'expérimentation sonore, c'est des choses que j'essaye parfois de transcrire dans le dessin, dans l'improvisation, essayer de retrouver cette forme de liberté. Mais le cinéma aussi, énormément de réalisateurs de cinéma ont été déterminants pour moi. Là, particulièrement pour Epiphania, j'ai vraiment eu besoin de me nourrir d'essais sur l'économie, sur la politique, la sociologie, sur des problèmes vraiment très contemporains, parce que c'est une bande dessinée. C'est-à-dire que j'avais pris soin peut-être jusqu'ici, tout en m'adressant à un certain réel, de garder une distance du symbolique marquée. Dans Epiphania, je suis davantage en prise avec quelque chose qui se passe ici et maintenant, ne serait-ce que par les costumes, ne serait-ce que par l'idée qu'on est vraiment, on peut identifier même le pays, bien que je ne le cite pas, mais on peut comprendre que ça se passe aux États-Unis, parce que ça me semblait important que, quitte à parler du capitalisme, je prenne le pays où est réellement né le capitalisme. Mais après ce qui était aussi très intéressant pour moi, et c'est l'intérêt de faire trois tomes, c'est que des gens qui ont lu mes livres en cours de route, comme par exemple des gens de L214, des activistes, des gens qui s'occupent vraiment du droit et de la défense des animaux, sont venus vers moi, m'ont apporté des choses aussi, un regard
ont complété en fait mon savoir et puis ma réflexion. Des gens qui travaillaient par exemple avec des autistes, et c'est là où j'ai vu qu'il y avait une connexion aussi avec... Et tout ça sont des... te font réfléchir différemment, et quelque part, ça s'est intégré dans la suite des... et ça a changé. Même si j'avais le scénario, il y avait quand même des ouvertures, et ça a changé à des endroits légèrement le scénario, ça m'a permis d'affiner. Et ça, c'est une influence qui est géniale, en fait, d'avoir cette possibilité dans le temps de ne pas être juste en train de faire un livre en quelques mois, mais avec les années, de se nourrir de tout ce qui se passe dans sa propre vie, bien sûr, dans l'actualité, mais aussi des retours des gens qui nous ont lus. Alors, en ce qui me concerne, un bon dessin, en général, c'est un dessin qui, à un endroit, me surprend. C'est-à-dire qu'il y a eu un glissement, quelque part. Il y a eu quelque chose qui n'était pas prévu, qui est advenu. C'est vraiment ce que j'ai appris en faisant de la peinture, et c'est la leçon de la peinture qu'on a un peu plus de mal à trouver dans la bande dessinée, puisque dans la bande dessinée, il y a l'idée quand même de codifier le dessin pour le rendre lisible. Enfin, il y a une forme de répétition qui ne permet pas toujours l'accident. L'accident, parfois, peut arriver dans l'histoire elle-même. Donc, il y a aussi des choses qui ne sont pas prévues dans l'histoire et qui arrivent, peut-être parce que le dessin fourche, comme la langue pourrait fourcher. Donc moi, pour moi, ça, c'est vraiment une donnée. C'est que quelque chose m'échappe, et quand ça s'échappe bien, ça me donne l'idée que peut-être quelque chose est en train de se passer, de réel. Alors, j'ai envie de dire de sincère, c'est un mot un peu galvaudé, mais finalement, je crois qu'on fait assez vite la différence entre un dessin faiseur, un peu fabriqué, ou qui va en remontrer, et puis un dessin qui, finalement, sert une cause intérieure, qui peut elle-même servir une cause plus globale. Qui est fait avec cette forme d'authenticité, de sincérité. J'utilise ces mots avec précaution parce qu'ils sont un peu trop utilisés, mais il y a quand même cette idée-là. Parce qu'en fait, bien sûr, il n'y a pas de bon ou mauvais dessin, on ne pourrait pas dire réellement... J'aime bien quand même, pour tout dire, qu'il y ait une espèce d'énergie et de transgression qui soit inclus dans le trait. Pour moi, l'art, en général, doit, et particulièrement dans notre époque, normative, transgresser quelque chose, quoi. Donc peut-être que c'est ça la réponse, c'est un dessin transgressif.